Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal La Langue Française, dont voici d'abord les principaux titres. Aucune disposition légale n'interdit l'inscription de l'enfant naturel dans les registres de l'état civil. Une mise au point faite ce lundi par Alexis Manirakida, expert en matière des codes des personnes et de la famille. L'ancien secrétaire général du parti CNL dénonce la violation de la loi dans l'organisation des rassemblements organisés ce dimanche en Ngozi et qui a changé les organes dirigeants du parti pour Simon Bizimungu. Il est encore tôt de se prononcer sur l'éventualité de perte de la qualité des députés des pro-Gwassa. Vous aurez aussi les analyses des partis Sawanya, Fodebou et APDR. Page politique pour ouvrir ce journal. Le parti CNL, fidèle à Gaton Gwassa, déplore le traitement qu'ont subi leurs militants, y compris des députés ce dimanche à Ngozi. C'était lors des rassemblements et a changé les organes dirigeants du parti en violation de la loi, selon Simon Bizimungu, ancien secrétaire général, sans donner de chiffres. Il affirme qu'il y a eu violation des droits humains suivie. Hier, on a observé un soi-disant congrès extraordinaire qui a été organisé au nom du parti CNL, mais qui n'est pas un congrès du parti CNL. Parce qu'un parti agréé, un parti qui est implanté sur tout le territoire burundi, qui a des organes du sommet à la base, quand il organise un congrès, ce congrès doit être organisé en bonne et due forme. Il y a ce qui doit convoquer le congrès. Il y a ce qui doit participer dans ce congrès. Ce qui n'a pas été le cas hier, c'est qu'on a observé, deux gens qui ne sont même pas deux gens du parti qui ont participé dans ce soi-disant congrès. Ce qu'on a observé, il y a eu violation des droits humains. Nous avons vu beaucoup de nos membres qui ont été arrêtés en prison. D'autres ont été malmenés. Ici, ce qui est grave, c'est le camp des élus du peuple qui ont été malmenés par ceux qui devaient les protéger. Imaginez-vous, dans un pays qui se dit étant de droit, là où des députés sont malmenés, mis sous le soleil durant toute la journée, et là, alors qu'ils n'ont rien fait comme faute, là vous comprendrez que c'est un problème. Nous sommes encore loin ici dans notre pays. Vouloir savoir ce qu'on compte faire, là je me dis que c'est trop tôt de vous préciser ce que nous allons faire, mais tout compte fait, on est là comme des politiciens et nous devons faire quelque chose, quoi qu'il en soit. Ceux qui disent que les députés qui sont derrière Honorable Gatou Gwassa pourront perdre leur place à l'Assemblée nationale, bon, c'est leur droit de le dire ainsi, mais ce que je sais, perdre la place à l'Assemblée nationale doit suivre des procédures qui sont connues et qui sont des procédures énorme. À ceux qui le disent alors, si c'est le souhait des uns ou des autres, nous, en tant que députés, en tant que politiciens, nous n'avons pas peur. Parce que quand il faut réclamer tes droits, quand il faut montrer ce qui ne va pas, tu ne peux pas compter sur le poste que tu occupes ou sur le siège que tu occupes dans l'Assemblée nationale. Toujours page politique, le parti APDR estime que le ministère de l'Intérieur se serait appuyé sur des textes légaux pour autoriser la tenue d'un congrès extraordinaire du parti CNL par la partie en conflit avec sa représentation légale ce dimanche en province Ngozi. Alors que ce congrès a mis en place de nouveaux organes, Gabriel Bazawitonde recommande aux autres formations politiques de toujours éviter de se faire des lois susceptibles de provoquer des conflits internes. Suivi. C'était vraiment choquant pour le parti APDR d'avoir un parti qui ne fonctionnait pas correctement à cause des mésententes au niveau au sein des organes. Alors nous disons que nous avons félicité le ministre de l'Intérieur d'avoir choisi accepter la tenue d'un congrès pour permettre la solution définitive de cette problématique qui régnait au sein du parti. La question qui était au sein du parti, c'était à l'interne, ce n'est pas à l'extérieur. Ce sont des organes entre eux.
comme ce n'était pas des gens qui venaient à elle, comme ils étaient membres du bureau qui étaient, alors c'était le ministre qui devrait trancher. Alors le ministère a tranché. Pour nous, le parti APD, on ne peut pas être contre ce que le ministère a fait, alors que le parti loge dans ce ministère. Tout simplement, je signale à dire que les gens puissent accepter les organes émanant de ce congrès. Une fois le ministère va accepter en donnant plus d'actes, alors celui seul qui voit que c'est impossible de suivre ces organes pourrait peut-être atteindre d'autres partis politiques, puisque aujourd'hui nous avons 36 partis agréés au Burundi. Je pense que beaucoup de partis ont eu ces secousses, même le parti APD, même le parti au pouvoir, vous savez, les secousses qui ont passé. Mais l'important pour nous, c'est que les gens sachent qu'en démocratie, il y a la liberté des idées. On demande les organes des partis politiques, premièrement, de construire des lois, des statuts de règlement d'ordre de l'intérieur, en général, au lieu de construire ces textes légaux à leur niveau. Mais aussi les organes doivent de gérer les partis en fonction de lutter contre toutes les ententes qui pourraient donc trouver racine au niveau des organes. Et le parti Sorogna Frodebou invite les militants du CNL à privilégier intérêt d'entente pour ne pas se laisser diviser. Phineas Nigaba, vice-président et porte-parole du parti Frodebou, trouve inquiétantes les circonstances exceptionnelles dans lesquelles son congrès a été organisé et demande au ministère de l'Intérieur aussi de gérer cette crise sans parti pris. Ce congrès a été caractérisé par trois grandes choses importantes qui sont inhabituelles. Le congrès était hautement sécurisé. Deuxièmement, au moment du déroulement du congrès, il y avait certains membres de cette formation politique qui étaient à l'extérieur et d'autres étaient à l'intérieur de la salle. Troisièmement, nous avons entendu que dans certaines provinces, il y a eu quelques arrestations des membres du parti CNL au moment où ce congrès se déroulait. Cela, maintenant, laisse à se poser pas mal de questions. Est-ce que le congrès qui a été organisé est venu trouver solution aux problèmes qui hante le parti CNL? Est-ce que ce congrès a été organisé pour renforcer le parti CNL? Pour le parti Sonia Frodebou, la réponse est négative parce que nous voyons que ce congrès risque de diviser le parti CNL et risque d'avoir des répercussions sur la vie de la classe politique. Nous voudrions maintenant demander au ministère de l'Intérieur et à la gestion des partis politiques dans ses attributions de voir comment gérer cette crise pour trouver une solution qui rassemble les partis en conflit. Cela pourrait diminuer les tensions entre les membres de ce parti politique. Nous avons vu dans le passé que les partis politiques sont divisés pour, disons, des raisons politiques et pour ne pas avoir des partis forts. Ça a eu des conséquences très néfastes sur la démocratie ici au Burundi. Maintenant, nous demandons aux partis en conflit de se ressaisir et de trouver un terrain d'entente pour trouver une solution qui peut faciliter la cohabitation des différents membres de ce parti politique et surtout de voir comment ne pas laisser l'organisation se détruire. Page droit de l'homme à présent, aucune disposition légale burundaise n'interdit l'inscription de l'enfant naturel dans les registres de l'état civil. Une mise au point faite ce lundi par Alexis Maninakida, expert en matière des codes de personnes et de la famille, dans une conférence débat sur l'établissement de la paternité d'un enfant naturel au Burundi. Docteur Pacifique Nyonidiguié, spécialiste en droit constitutionnel et coordonnateur du projet WA Burundi WAP, militant pour les droits de la femme, indique que ces mesures ne peuvent en aucun cas remplacer les lois et les codes. Omer Ndouayo. Lors de cette conférence, le spécialiste en code des personnes et familles s'appuie sur le principe de non-discrimination et l'intérêt supérieur de l'enfant,
que stipule l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Normalement, la loi dit que tout enfant, quel qu'il soit, peut être en registre, que ce soit un enfant naturel ou un enfant légitime, et l'enfant naturel, même de père inconnu, a le droit d'être enregistré. Ça, c'est le droit éclair sur ce point. Ceux qui refusent d'enregistrer ces enfants, ce sont ceux-là qui violent le droit et par ricochet, ils violent les droits de l'enfant. Normalement, rien n'empêche d'enregistrer un enfant qui est né. C'est une obligation d'enregistrer un enfant. Il y a beaucoup d'avantages puisque d'abord, si l'enfant est enregistré, il a l'identité et le pays connaît les enfants qui naissent. Même pour question de projection de développement, il faut connaître lorsque vous êtes en état, quels sont les enfants qui naissent. Et puis, un enfant qui n'est pas enregistré n'est pas connu. Pacifique Nyonizigiye, spécialiste en droit constitutionnel, lui revient sur les mesures verbales prises par de grandes personnalités, dont les ministres, se faisant semblant oublier ce que disent les textes légaux. Et pour ce qui concerne la suprématie de la loi, c'est dire personne n'est au-dessus de la loi. Et j'ai donné la hiérarchie des normes juridiques. Là où je montre qu'en premier lieu, nous avons la Constitution, qui est la loi fondamentale, la loi suprême. Et que toutes les lois, tous les actes réglementaires doivent respecter la Constitution. Nous avons vu à l'article 48 de la Constitution, là où on dit que la Constitution c'est la loi suprême, on dit que toute loi non conforme à la Constitution est nulle. Cela est mentionné également à l'article 237 de la Constitution. La hiérarchie, donc constitution, loi organique, loi ordinaire, les décrets, les arrêtés, les ordonnances ministérielles. Alors aucun texte d'ordre inférieur ne peut venir en contradiction d'un texte qui lui est hiérarchiquement supérieur. Les participants saluent les riches informations acquises dans cette conférence. Toutefois, ils demandent la subvention du test ADN pour limiter les malentendus sur la paternité biologique d'un enfant. Nous avons entendu que l'État projette de réviser le code des personnes et de la famille. Alors, nous demandons à l'État d'insérer dans cette loi en révision que le test ADN soit légalisé, que ce test soit fait de façon obligatoire pour ces parents, ces hommes qui ne veulent pas reconnaître les enfants. Le code ADN, ce serait pour justifier la paternité non reconnue par un homme. Et alors, ne pas reconnaître son enfant, c'est normalement un délit. Et je trouve que ce test ADN, s'il doit y être inséré dans une loi, ça serait dans la loi plutôt de... dans le code pénal pour justement punir le coupable qui renie son enfant, un acte qu'il a commis. L'article 7i de la Convention internationale des droits de l'enfant précise que l'enfant a droit de jouir du droit de connaître son père et d'être élevé par lui. Merci Omer Ndouaïo. Page société à présent, la mécanisation des systèmes de production du charbon à base de la carbonisation des herbes et autres déchets ménagers a permis de multiplier par 10 à la production journalière. Apollinaire Ndikoumassabou, président plutôt représentant légal de la société transformant ce type de charbon sur la colline Mutambala, déclare que cette mécanisation a été rendue possible grâce à un prêt du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes Paiej et encourage les autres jeunes à initier des projets de développement à soumettre au Paiej pour financement. Le point avec Jean-Pierre Messago. Après s'être doté de deux machines à mazout, l'une pour la production d'une fine poudre à partir des matières carbonisées et l'autre pour la fabrication des briquettes de charbon, et tout cela grâce à un crédit contracté auprès du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, le travail manuel ne se limite plus qu'à la collecte des matières carbonisées, à la carbonisation elle-même, au mélange de la fine poudre avec de la bouillie, de la farine de manioc et au séchage des briquettes de charbon. Apollinaire Ndikoumassabo, initiateur de ce projet à Mutambala, dit que depuis lors, la production journalière de ces briquettes est passée de 50 kg à une production journalière comprise entre 400
et 600 kg avec des débits prometteurs. Ce crédit sera remboursé, espère Ndiku Masabo. Mugisha Parfait, employé à Suite Kona Restaurant, un restaurant de la ville de Rumonge utilisant déjà ce charbon écologique, témoigne qu'il s'agit du charbon de bonne qualité. Apollinaire Ndiku Masabo appelle les autres jeunes à initier des projets de développement et les soumettre au PAEJ pour une éventuelle orientation pour finalement un éventuel financement. Et c'est par ce reportage de Jean-Pierre Missago que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.